Vous aviez certainement suivi dans nos éditions antérieures les échos du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, forum qui a vu la participation du Premier ministre Paimi Padake Albert du 12 au 14 novembre dernier à Dakar au Sénégal. En marge de ces assises, le chef du gouvernement a rencontré la colonie tchadienne de Dakar. David Yantonga. Dakar, capitale sénégalaise, accueille un nombre important de Tchadiens sur son sol. C'est pourquoi le Premier ministre Paimi Padake Albert, ayant pris part au 4e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, a mis à profit son séjour pour s'entretenir avec ceux-ci. Les étudiants, les femmes évoluant dans le milieu des affaires au Sénégal, les fonctionnaires internationaux sont ceux-là qui sont venus témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement Paimi Padake Albert. Sur le plan politique, ce sont les militantes et militants du mouvement patriotique du salut qui se sont joints aux autres pour effectuer cette visite fraternelle au chef du gouvernement, Paimi Padake Albert. Une occasion tout indiquée qui a permis au Premier ministre Paimi Padake Albert de s'enquérir des conditions socio-économiques des Tchadiens résidant à Dakar et aussi bien recueillir leurs doléances. Lesquelles doléances se résument au transfert du fonds vers le Tchad et à la délivrance du passeport. À toutes ces questions, il faut ajouter les difficultés liées aux conditions d'études. Le consul du Tchad au Sénégal, Salah Mahamat Ousmane, a exprimé toute sa gratitude au chef du gouvernement Paimi Padake Albert pour sa disponibilité. Salah Mahamat Ousmane sollicite l'implication du chef du gouvernement pour aider les ressortissants tchadiens à trouver une solution durable aux difficultés rencontrées. Le Premier ministre Paimi Padake Albert se réjouit de cette marque de sympathie vis-à-vis de sa personne. Le chef du gouvernement encourage à cet effet ses compatriotes à plus de persévérance pendant cette période de crise qui affecte l'économie du pays. Mes chers frères, la situation, elle est difficile. Et lorsqu'un pays traverse une telle crise, la solution ne vient pas d'ailleurs. La solution ne peut venir que de la prise de conscience nationale des Tchadiennes et des Tchadiens eux-mêmes qui doivent puiser au plus profond d'eux-mêmes pour remonter la pente. Et pour cela, je comprends très bien les problèmes que vous soulevez. Mais je vous dis ces choses-là pour que vous compreniez également la gravité de la situation que le pays traverse. Pour ceux qui ont 50 000 de bourse, vous êtes exactement dans la mesure que tout le pays traverse avec la coupure de 50%. Tant que vous recevez ça, serrez vos ceintures et continuez à étudier parce que l'objectif n'est pas d'avoir de l'argent, l'objectif c'est d'étudier. Pour ceux qui n'ont pas leurs frais d'inscription et bourse, il va falloir faire la situation pour qu'on apprécie quel est le nombre de ces étudiants, quel est l'encours pour que, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, une solution puisse être trouvée. Si c'est à la portée du trésor public aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, invite les ressortissants tchadiens résidant à Dakar à vivre en harmonie avec leurs frères et sœurs sénégalais. Pour lui, la cohabitation pacifique, l'amour du prochain et la paix sont les valeurs fondamentales prônées par les plus hautes autorités du pays.